Agnabé, je n'ai pas dormi. Pas facile la vie. Mes amis, comment on va? Comment on va? Comment on va? C'est la prière, on dit de prier. C'est pas facile. La mère, bon matin, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, je viens de me réveiller là, il est 6h37 à Montréal. C'est quoi cette affaire là? Elodie Kwadio Koulibaly, comment va? Aïe. Dina Choker, Marie-Laure Nguessan, comment ça va? Mais, j'ai dit. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Flore Alice, oh, merci beaucoup. Quelle bonne nouvelle là, c'est ça, on dit, la Tina a dit de prier que la petite est malade, elle est juste, mais elle est malade, oui, c'est ça, elle a reconnu qu'elle est malade. Mais l'oncle, c'est comment? J'ai vu, je suis mêlée, ou bien c'est moi qui ne comprends pas. Oh, ta Fulgence Soinée du côté des États, comment ça va? Quelqu'un a dit bonjour ma personne, faut pas que je la saute. Oh, ça va vite. Oh, merci beaucoup, elle est trop fraîche. Marguerite Koulibaly, merci. Mes amis, j'ai mis le poste. Ah, il est 11h38 à Londres, oui, c'est ça. Merci. Elle dit comme si tu as 30 ans. Ah, c'est ça, sans maquillage. Voilà ça qu'elle a. Elle dit, mon seul problème, il faut qu'elle grossisse un peu seulement. Ah, mon cou est un peu rempli là. J'ai dit, café impacté. Merci beaucoup, Nicole. Comment vas-tu? Ben, ce que j'ai vu ce matin quand je me suis réveillée, bon, hier, le dernier poste que j'ai vu, c'est le poste de Hassan Hayek. Il a dit, la petite va pas bien, tout et tout. Donc, prions. C'est ce que j'ai vu hier nuit, 22h et quelques, ou bien 23h, et puis j'ai dormi. Donc, matin, je n'ai pas regardé. Dès que moi, je me suis réveillée, j'ai mis le poste tant, tant, tant. Mais j'ai vu que vous avez dit la petite est décédée. Après, on m'a envoyé une capture d'écran de l'oncle, le porte-parole. On n'est pas ici pour jouer la comédie. Je suis sérieuse. Le porte-parole a fait un communiqué. J'ai dit, bon, si ça vient du porte-parole, c'est que c'est vrai. Si c'est le porte-parole qui a dit ça, bon, Dieu merci. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la rumeur. Non, si c'est le porte-parole qui a dit ça, mais je vais attendre d'abord avant de corriger. Vous avez vu? Je vais attendre. Depuis que Ceni est venu nous dire que. On nous a dit que Ceni est mort là. A annoncé les décès là. On fait attention maintenant. Maintenant, on m'envoie encore quelque chose. Merci beaucoup. Elle dit très beaucoup. On m'envoie encore quelque chose de grande sœur Tina. Comme quoi, bon, qui vient parler. Ok, d'accord. Quelqu'un a dit non. Ok. Oh, elles sont les bonnes nouvelles. Attends. Merci beaucoup. On m'envoie quelque chose pour dire que pour m'envoyer une capture d'écran pour dire que Tina, la grande sœur Tina a parlé tout et tout. Mais grande sœur Tina, allez là, tu dois pas être sur Facebook, maman. Allez où on est en train de parler là. En tout cas, je te parle en tant qu'une mère. Tu comprends? Si Carla Marguerite est malade, c'est pas toi que. Ok, Hassan dit qu'elle va bien. Il a fait un poste à 10h11. Ok. Ah, donc c'est ça. Donc ça veut dire que tu ne dois même pas venir. Ça veut dire les rumeurs de Facebook. Oui, c'est vrai. C'est ton nom qui a fait le poste. Tu as démenti. C'est bon. Mais rentre là, t'occuper. Reste dans ton coin, maman. C'est un conseil de petite soeur que je te donne. Tu es venu, tu as fait le démenti, c'est bon. Parce que si ma fille respire encore, et puis on va venir dire que ma fille est décédée, ben c'est terrible. Mais là, tu as fini de parler, là. Reste auprès de Carla, là-bas. Bon matin, Marie-Pascal. Voilà. Voilà. Hi, mais ça sentait. J'ai pris drap, hein. Depuis Céline nous a fait ça, là. Quand je suis pas sûre, je mets quoi? Est-ce que c'est vrai? C'est mieux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, l'oncle? L'oncle est venu donner la nouvelle et puis tant, 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 vraiment.
Merci beaucoup, Mireille Edwige Adiakou. Merci. Hein? Puis bon, j'étais vue dans position de foulard noir, tout ça là. Je n'ai pas aimé. C'est vrai, la petite est malade. Par exemple, tu ne portais plus le foulard. Tu ne portais plus de foulard. Donc, si l'enfant est malade, tu ne vas pas te mettre en position de foulard noir comme ça. Espérons que ce soit un démenti pour qu'on puisse passer au travers de ce vendredi-là. C'est ça mon message. Mais de grâce, là, ne ressort plus. Même s'il y a des rumeurs, quoi, ne ressort plus. Ta place, là, c'est près de Kala Marguerite. C'est à cause de toi que j'ai donné Kala Wendy. Je ne voulais même pas donner Marguerite à ma fille parce que ma mère s'appelle Marguerite. Je ne voulais pas qu'on dise c'est l'homo. C'est pour ça. Sinon, aujourd'hui, ma fille se serait appelée Kala Marguerite. Elle s'appelle Kala Wendy. C'est toi, Tina. Je vois des gens, vous dites que quand j'ai mis mon poste hier, quelqu'un me met en bas, tu as fait quoi pour elle? On ne va pas tout dire sur les réseaux sociaux. Vous croyez que la vie est facile? J'ai pris le poste de la petite, j'ai mis ça un jour où on l'insultait. J'ai mis ça. Quand j'ai mis le poste, les injures de ça. Moi-même, il y a eu peur. J'ai dit, ah, j'avais mis pour qu'on ait la compassion. Mais si encore sur ma page, on vient mettre injures, je vais effacer. Quand j'ai fait deux vidéos sur Kala dans cette maison, son oncle est à Paris, il me regarde. Lui et moi, la conversation houleuse qu'on a eue dans le inbox. Dieu seul sait. Donc, quand vous écrivez qui l'a aidé, comment on appelle ça? On l'a pas aidé, oui, c'est ça. J'aimais bien ce nom-là. Et puis, elle était, la grande Sétina, belle, bien, elle, la grossesse. Puis, quand Kala, Kala Marguerite était petite, elle a des cheveux noirs comme ça, bien. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, j'aime bien le nom, mais je vais pas donner Marguerite, j'ai donné Wendy. C'est quand j'ai donné ce nom américain-là à Wendy aujourd'hui. Donc, maman, nous, on te soutient. J'ai dit qu'aucun parent ne, ça dit, un enfant ne doit pas dévancer sa maman. C'est ce que j'ai dit. Donc, on va te dire quoi? Nous, on n'a rien à te reprocher. Tu es une mère, comment tu es? C'est comme ça que tu es. Donc, moi, je suis là pour t'apporter mon soutien. Soutien, c'est ça qu'il t'apporte ce matin. Sois forte. Foulard noir, on a vu sur ta tête là. On ne veut pas foulard noir. Tu es venu nous dire que la petite va, elle va bien. C'est qu'elle elle est malade. Tout et tout. On va rester dans cette dynamique-là. Ne ressort plus encore tout et tout pour parler, tout et tout. Bon, on sait qu'entre l'oncle et toi, ça ne va pas. Non, c'est ça. Ça ne va pas entre l'oncle et toi. Tu comprends? Mais reste fort. Union de prière. Donc, laisser affaire de personnes aider. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est les... Oh, Chanette, comment tu vas, Manès? C'est quoi? Sur les réseaux sociaux, quand on allait faire la collecte pour l'aider... Hein? Pendant ce temps, sa belle se brandissait des millions. L'argent que sa belle se brandissait là, c'est pas les retombées du frère de Tina, hein, du frère de Kala Marguerite. Quand vous parlez là, réfléchissez. Si la petite, elle est dans cette position là, quand on met RIP là, ça veut dire qu'on est content. On met RIP là, ça veut dire que la personne est décédée, repose en paix. C'est la parole de la vie. Mais Dieu merci, l'homme, elle n'est pas décédée. On va prier. Prions ensemble. Parce que regardez hier seulement là, on a la fausse rumeur, regardez comment on a commencé à se culpabiliser. Donc si on dit maintenant elle respire, bon, on prie seulement, on prie. Vous comprenez? Oui, oncle Zopo a annoncé, mais l'oncle a été un peu pressé selon ce qui est sorti. Mais la position dans laquelle aussi moi aussi, Tina a foulard noir là, je n'ai pas aimé. Quand la Marguerite respire, donc pourquoi tu as foulard sur ta tête, grand soeur? Tu as fini derrière le deuil de Arafat, non? Tu as fini son deuil. Donc, foulard noir matin comme ça, là. Vous comprenez? Donc, arrêtons de culpabiliser. Arrêtons de se jeter les pieds sur les réseaux sociaux. On se jette les pieds, pourquoi? Le foulard noir même m'a effrayé. J'ai dit, hi. Vous comprenez? Oncle a dit, oui, oncle a dit, elle est décédée. Mais Tina, tu n'as pas vu pour Tina, Louisiane Torres. Va voir, Tina. Tina a dit qu'elle n'est pas, elle est malade. Mais ce qu'elle dit, mais si elle est malade là, elle a fini de faire démenti. Oui. Ah, en tout cas, chez nous, on ne porte pas foulard comme ça, noir comme ça, quand l'enfant est malade. Merci beaucoup. Oh, Bertine Payette, merci. Merci pour les étoiles. Vous comprenez? On aime les choses comme ça. Hier, les gens m'ont envoyé les messages, l'impact de ta vidéo que tu avais fait. Si tu dis là, il faut mettre en surface. J'ai dit, il faut mettre en surface, pourquoi? Il ne faut pas mettre la vidéo en surface. Je lui ai parlé en tant qu'une grande sœur. C'est pas parce que le pire est arrivé. Je lui ai dit, je t'avais dit. Non, c'est pas comme ça on raisonne. Tout ce qu'on fait, soutenons-la. S'il vous plaît.
Mettons-nous ensemble, on va la soutenir. Laissons les appels depuis que tu attends, t'entends, tu attends, t'entends. Laissons. Moi, je l'ai dit ici dans une vidéo. J'ai dit que la toxicomanie, c'est une maladie. Je le dis et je vais le répéter. C'est une maladie. Pourquoi il y a des récidives? Pourquoi ça revient, ça revient? C'est parce que la personne est accro. C'est une maladie. Quand on va commencer à considérer la toxicomanie comme une maladie en Afrique, on aura fait un pas. On aura fait un pas. J'ai parlé de ça ici après la vidéo. Moi, je vois encore des gens souvent, quand Petit Denis met ses postes, on l'insulte. Mais si vous insultez Petit Denis jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous n'avez même pas compris encore. Comprenez? C'est considéré comme une maladie à part entière. C'est de la santé mentale. Claire, il n'y a pas autre discours pour ça. Donc, le fait que cette fille-là est par terre, on prend une image de quelqu'un qui est couché dans les rues, on dit c'est elle. J'ai dit, mais où est son visage? Et puis, on dit c'est elle. Aïe, mais les gens sont terribles. Elle n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. La famille n'a pas besoin de ça. Soutenons-la. Un est déjà quitté dans sa main. L'autre, là, c'est devenu bizarre. Donc, on n'a qu'à la soutenir. Vous comprenez? Ah, Foula Noa m'a effrayé. Pas te mentir, Justine Claroux. Ça m'a effrayé. J'ai dit, mais donc c'est vrai. Et puis, elle a dit, non, c'est pas ça. Faut rester dans le coin là-bas. Ça dit où tu es même là. Puis les gens vont t'appeler, pas appeler, appeler, appeler à gauche, à droite, on va t'appeler. Donc, le téléphone même, tu as laissé ça dans la main de quelqu'un. Puis on va t'appeler. Tu comprends? C'est la drogue est là-bas. On dit la drogue est versée là-bas. Drogue, on dit c'est versé. On dit des jeunes filles, oh, elles sont dans la drogue là-bas. Il y a vu, on dit où tu étais et puis l'enfant a pris la drogue. Tout ça là. Les gens demandent, mais c'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça qu'on dit checker. Quand on parle de checker, là, regardez les enfants. Surtout quand ils ont cet âge-là, l'âge de Wendy, là, tu es rentré dans leur chambre, là, le visage est coupé en deux. Moi, ils ne regardent pas le visage. Quand tu t'entres dans la chambre de ta fille, là, c'est vrai, les adolescentes, leur chambre, là, c'est souvent désordonné. Donc, à chaque semaine, tu fais un tour là-bas. Mais tu regardes, tu essaies de regarder. De temps en temps, elle n'est pas là aussi, là. Tu fouilles un peu dans ces placards là-bas. On ne sait jamais. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui est, comme je vous dis, qui est correct. Comment cette petite fille a fait? Et puis elle a pris la drogue là, qui connaît? Et puis aujourd'hui, l'affaire est arrivée comme ça. Donc ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. C'est pour ça que nous, on vous parle des signaux. Regardez. Ils nous trouvent tannants, ils nous trouvent emmerdants. Surtout quand ils ont l'âge même où ils sont. Et puis ils peuvent tomber facilement dans ça là. C'est de l'adolescent jusqu'à un certain âge. Donc soutenons-la. Soutenons-la, s'il vous plaît. Surtout, soutenons-la. Elle a besoin de soutien, s'il vous plaît. Faut pas, on va jeter la pierre tout de suite, là. Voilà. Ah, c'est ce que moi, je fais, hein? C'est ce que moi, je fais. Quand moi, il rentre dans sa chambre, là, elle sait son visage. Elle est en bizarre sur moi. Mais moi, il ne regarde pas dans son visage. Moi, il ne regarde pas dans le visage. C'est-à-dire, quand ils ne sont pas là, rentrez dans leur chambre. Fouillez un peu de temps en temps. Maintenant, quand tu as fouillé, là, faut fouiller aussi de telle sorte que quand elle vient là, elle ne va pas trop voir dedans. Ben, si elle commence à remarquer que chaque fois aussi qu'elle n'est pas là, tu fouilles après, ça peut causer, comment on appelle ça? Ah bon, tu as trouvé bon appétit dans son placard. Pardon, il faut me faire rire. Ah oui, encore, confirmé encore. Deuxième confirmation, même première confirmation. Mais pourquoi vous mettez les images de pleurs? Ou bien, pendant que Santé fait le direct, il y a une autre nouvelle là-bas. Ah, souvent, c'est mieux de fouiller. Otep. Ah, fouiller les enfants. Checkez-les. Surtout en Occident, ici, là. Il faut les regarder. Ah, téléphone. Tina Enda, téléphone là, toi tu trouves ça où? Oui, pardon. Téléphone là, moi ça n'a jamais sonné ici, donc je vais faire quoi? Téléphone, toi tu arrives à... Oh bon, d'accord, elle est décédée, son grand-père. Ah, d'accord. Parce que, donc ça veut dire que... Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Amunia. Ouais, surtout ici en Occident. Fouillez, faites attention, regardez bien. Faut pas croire que ton enfant est pas capable. Faut pas croire. C'est ça, c'est la drogue.
En tout cas, moi, je n'arrive pas à voir. Moi, je vais regarder pour Hassan Hayek là. Laissons appeler. Tina a dit que l'oncle a annoncé, elle dit que c'est faux. Donc, on va regarder Hassan Hayek là. Comme lui, il est l'homme de la. L'homme, lui, il est l'homme de la charité, l'homme qui s'occupe des choses. Elle n'est pas décédée. Ok. 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 D'accord. Vous comprenez? Ok. D'accord. Ok. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu. C'est pas ça que j'ai commencé. Vous qui venez de prendre ça en marche. Je ne suis pas venu faire vidéo de condoléances. Hein. Vous qui dites arrête ça, suis tout de suite là. Ce n'est pas vidéo de condoléances. Va écouter le début de la vidéo. Voilà, c'est ça. On va profiter aussi pour donner des conseils. Ok. Ah. Sinon, moi, téléphone, je ne peux pas mentir. Téléphone, même, on n'a jamais laissé ça à côté de moi pour dire que je peux avoir accès. Quelque chose qui ne sonne pas, comment tu vas savoir? Il a dit que ça n'a jamais sonné. Ça n'a jamais sonné. Je n'ai jamais entendu tant de messages. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour téléphone? Mais tout ce que je lui dis, je lui parle, je lui dis, tu sais que moi, j'ai confiance en toi. Hein? Mais c'est ça. Il dit que moi, jusqu'à peu du compte, j'ai confiance. Mais tu sais que le jour que la confiance est brisée, là, ça ne va pas être bon entre nous deux. Ça va être très dégueulasse. Ok. Viens de publier. Ok, d'accord. C'est bon. Ah oui, oui, je lui dis ça. Comme elle connaît aussi sa maman, donc elle sait. Je lui dis, je dis que moi, je ne fouille pas ton téléphone, oh, je ne fais pas tes trucs, mais l'affaire des téléphones, on mange le nez dans le téléphone. On texte seulement, on n'a jamais. Ça fait combien? Bientôt, on va dans la deuxième ou troisième année, là, le téléphone. Je n'ai jamais entendu allô au téléphone. Si elle vous a dit que le téléphone a sonné ici, c'est que je vous ai menti. Jamais. Pourtant, je paye combien? $90 chaque mois pour le téléphone. Mais ça n'a jamais sonné. On texte seulement. On texte. Donc, tu fais avec ça. On dit faut leur donner aussi leur espace. Toi aussi, tu regardes. Il dit qu'on n'a jamais oublié ça sur le comptoir pour que je vais dire, je vais regarder dedans. Jamais. Ça est sur les fesses ici. Si on a porté une culotte, qu'il y a une poche, ça est sur les fesses, toujours. Mais moi aussi, j'ai mes stratégies. Comment il fait pour checker mes choses? C'est dans les chambres, tout et tout. Elle a son, comment on appelle ça? Son cahier de, comment ils appellent ça? Leur cahier de, ah, j'oublie ça. Où elles décrivent leurs choses. Moi aussi, de temps en temps, elle dort, donc je passe doucement. Je jette un petit coup d'œil dedans. Puis je regarde. C'est comme ça on fait. Pour voir, tu regardes aussi ses fréquentations, tout et tout. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Soutenons Tina, s'il vous plaît. Soutenons-la. Soutenons-la, mais qu'elle reste là-bas. Plus de, elle a fait le démenti, c'est correct. L'oncle aussi est venu dire, c'est ça. Donc, laissons comme ça. Voilà. Elle a besoin de soutien parce que c'est pas la toxicomanie, tout ça est passé. Vous riez, ce qu'elle dit, c'est la vérité sur les enfants. Quand je parle souvent. Ah, souvent tu te demandes s'il y a Internet dans la maison. Sinon, il y a Internet, bel et bien. Il y a Internet même. Un cahier de secrets, merci. Il y a Internet. Mais téléphone ne va jamais sonner. Téléphone va sonner, et puis toi, tu vas savoir qui l'appelle. Et puis toi, tu vas écouter la conversation. Non, non, non. Téléphone n'a jamais sonné. J'ai dit qu'en 3 ans, bientôt, elle s'en va dans le téléphone. Merci, le journal. Le journal intime. Moi aussi, de temps en temps, je jette les petits coups d'œil dedans. Eux, ils n'aiment pas ça, surtout à cet âge-là. Mais, du temps, tu jettes rien. Le ménage aussi. On continue. Maintenant, ça va. Merci beaucoup. Maintenant, sur le côté ménage, ça va. On a parlé. Avant, tu rentrais dans la chambre, on dit la poubelle. On ne peut pas regarder. J'ai parlé. Son papa a parlé. Un jour, son père est fâché, il l'a pris. Ils ont fait ménage près d'une demi-journée. Au bout de 6 mois, on ne pouvait plus rentrer là-bas. Après, j'ai parlé. Mais maintenant, ça va. Maintenant, tous les vendredis, quand elle revient de l'école, elle arrange. Donc, on parle. Donc, regardez les enfants. Regardez les enfants, regardez leur fréquentation. Ouais, c'est ça. Regardez leur fréquentation. Ouais. Coco va travailler. Elle dit, mes parents sont couchés à Williamsville là-bas. Pour aller travailler. Moi, il me reste 5 minutes pour commencer le travail. Voilà, c'est ça. Vous comprenez, non? Il faut regarder. Il faut pas... Ne soyez pas des parents désintéressés. Parce que c'est... Oui, les choses de l'adolescence, c'est terrible. On a mangé les poulets, on a trouvé les os sur le lit là-bas depuis près de 2 semaines. À l'époque, on prend les attiqués.
Elle a son problème de toute la vaisselle dans la maison. Ça y est, les ados sont des gens bizarres. Merci pour les étoiles, Sonia Ouedraogo. Un vieux bol ici, là, c'est dedans, il mange. J'ai dit, mais pourquoi c'est ce bol-là? Elle dit que non. Parce que quand il mange dedans, je vois que pour ne pas que la nourriture déborde, pour ne pas que je nettoie. J'ai dit, pour ne pas que tu nettoies, tu n'as pas pris une assiette où tu as mangé dedans convenablement. Elle dit, non, maman, c'est ça. Si elle vous montre le bol, vous allez être versé ici. Parce que je ne comprenais pas pourquoi. C'était un qui était là, l'autre est cassé. Donc quand l'autre est cassé, là, elle s'est dit, bon, comme c'est cassé là même, là, je vais prendre ce qui est en plastique. Elle dit, tu fais le jeûne de combien d'heures, s'il te plaît? Il ne fait pas de jeûne. Oui, aussi même là, je vais manger. J'ai vieux bol plastique. J'ai dit, mais tu ne peux pas prendre une assiette pour manger convenablement. On va prendre ce bol, elle dit que c'est gros. Comme elle aime la tiquer, pour ne pas que la tiquer déborde, pour ne pas que ça tombe. Ah, je n'ai pas menti. Pour ne pas que la tiquer. Dans la chambre, tu t'en là-bas, à tiquer. Tout ce qu'on a mangé depuis un mois, tout était versé là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aidé à ranger. Je parlais. Ah, oui, tous pareils. Arrêtez de critiquer. On dit tel ado est sale. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'ai dit que il faut lui donner des conseils sur son hygiène. Tu lui parles, tu sais. Tu lui dis, moi je suis ta mère. Oui, c'est vrai, je te parle durement. Mais tu sais, quand tu n'as pas senti bon parmi tes amis, ils vont rire de toi. Surtout quand vous là-bas, là, vous vous moquez. Peut-être ils ne vont pas te dire, mais un jour, une va te dire, tu vas te sentir mal. Tout et tout. C'est comme ça aujourd'hui. Elle a une hygiène irréprochable, mais pourquoi on arrive à là? Donc, regardez les enfants. C'est pour ça que quand je donne des conseils, je dis quand ils sont petits, il faut que... Ah oui, oui, oui. Il y a des enfants qui sont durs à guider, ça c'est vrai. Il y a toujours des enfants qui ont de la misère à s'adapter aux règles qui sont établies. Mais il faut dire à ces enfants-là, si tu as de la... Si c'est trop dur, ben c'est l'extérieur qui va te guider. Et puis là, c'est grave. Ah oui, c'est grave. C'est ça. Comment le contact de la petite. Sonia Ouedraogo, merci pour les étoiles désimpactées. Merci. On va prier Dieu. On va prier Dieu. Elle a juste besoin. De quelle petite? Sonia, plan de Dieu, quelle petite? Je ne sais pas de qui il parle. Tous les... Les ados se rejoignent généralement. Très souvent, ils se rejoignent à 80%. Donc, si vous avez une amie qui vient dire, non, moi, ma fille est comme ça, moi, ma fille est comme ça, regarde-la seulement. C'est tout, elle, sa fille est mieux que toi. Tu regardes et puis tu avales ta salive, comme on dit. Voilà. Tu avales ta salive. Bah, ils se rejoignent. Ils se rejoignent. Ok, c'est ça. Donc, regardons les enfants. Regardons les enfants dans les maisons. Il faut regarder les enfants. Il faut les regarder. Il faut les suivre, mais de façon subtile. Suivons-les. Parce que la drogue, il y en a partout aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser. Ah, ok, tu as l'impression que je parle de tes enfants. Pourtant, si je parle d'un seul enfant, hein. C'est ça. Merci, oui, regardons-les. Merci Angela Koufour, comment tu vas? Moi aussi, il est l'heure pour moi. Prenez soin de vous. Ciao. On prie. On dit, elle est malade, on prie. Maman Tina, une grande soeur Tina, reste auprès. Ciao.